Mais qu'est-ce qu'il fait? Beginning, it wasn't about the ends, it was beyond fucking. Damn, petite! Eh, hey, petite, ça te dirait un petit shaker à la honte ou quoi? Quoi, petite? Ça va, j'ai déjà monté. T'as vu comment tu me parles? Tu me défies ou quoi? Ouais, je te défie. Je te défie à l'escalade. À l'escalade? C'est parti! Attends! Attends! Alors, c'est qui la petite maintenant? C'est moi! Dame Mathilde! Tu as fait la bise, hein? Là, tu peux dire Dame Thibault. Dame, c'est pour dire bonjour. Dame Thibault. Voilà. 2, 3. Dame Mathilde! Dame Thibault. J'en prie, ben, présente-toi. Moi, c'est Mathilde Becerra, 25 ans, 12 ans que je fais de l'escalade, championne de France en titre et 7ème du classement mondial. Donc ça va, tu te débrouilles un peu, quoi. J'essaye, en tout cas. Tu es obligé? Ah oui, obligé. Est-ce que j'ai la classe? Non. Du coup, on commence par quoi? Voici venu. Et du coup, où est-ce qu'on est là? Alors ici, on est à Lao Escalade. Pour moi, la meilleure salle pour s'entraîner à Toulouse. Est-ce que t'as la petite veine du bibi ou pas? Oh. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va s'échauffer. Oh, c'est biceps, ceux-là. Ah, c'est parti. Oula. Allez. Okay. Moi, je me suis froissé un muscle. On va chez les grands maintenant? Ouais, c'est parti. C'est parti. Pourquoi ce sport? Bah en fait, quand j'étais toute petite, déjà j'avais peur de rien. Je sautais, grimpais partout. Du coup, quand j'ai découvert l'escalade, bah, c'était une révélation. Un coup de foudre même. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la drogue? Non, ça c'est de la magnésie. Ça. On va commencer par le bloc le plus facile. Est-ce que t'as un conseil à donner avant que je commence? Tombe pas. Ok. Oh, ça va, tu te débrouilles pas trop mal, mais c'était le premier niveau. Parce qu'en fait l'escalade c'est juste monter sur un mur en fait. Il y a d'autres formes ou comment ça se passe? Le but à la base de l'escalade c'est d'atteindre le sommet. Ceci dit, il existe quand même officiellement 3 disciplines. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui c'est du bloc. Il y a la difficulté, la même chose sur un mur beaucoup plus haut, qu'à 15 mètres, 20 mètres de haut. Ah, ça fait haut un peu. Et enfin il y a la dernière discipline qui est la nouvelle discipline de l'escalade, c'est la vitesse. Mais tant pis. À ton honneur, amuse-toi. Ok, on va essayer d'avoir autant de grâce. Traction gros quoi. Ah, c'est bon. Oh, niveau aisance et niveau grâce, combien de points sur 10? Alors, aisance c'était mieux tout à l'heure. On va mettre 4. 4 sur quoi? C'est nul 4. Et grâce, je suis obligé de le dire. Ok, on passe à la suite. Que c'est un sport physique ou justement calme, c'est tranquille? L'escalade, c'est le sport, un des sports les plus physiques que tu puisses trouver, je pense, puisqu'il faut se porter. Forcément, il faut avoir de la force, mais c'est aussi très technique et ça peut être très fin. Je pense qu'on verra aujourd'hui que c'est plus galère que prévu. Alors on va faire un peu plus technique. Merde. Bravo. Un oiseau. Merci, c'est gentil. Faisons le bourrin au travail. Ok. Oh, mais... ouais. C'est bon là? Ouais, c'est ça. Pour descendre. Moi, Thibaut, comment ça va? Ça va, même pas mal, même pas un bobo, franchement c'est tranquille. Non, tout va bien. Est-ce que tu aurais juste un mouchoir par contre? Je crois que demain pour la muscu ça va être compliqué. Pour vous les gens, pouce bleu pour le sang. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Au moins 5 jours par semaine. Et à ce côté, tu fais de la muscu ou pas? Oui, enfin, de la muscu, pas comme toi, mais de la muscu spécifique pour l'escalade. Est-ce que tu fais du squat? Ouais, je fais des squats. Parfait, très bon point. On va essayer de le jouer. C'est ici que je vais mourir. Ouh. Oh là là, la vie du bulle. Attends Thibaut. 1, 2. Oh, dommage. 1, 2. Ok. Alléluia. Ok. Et donc ça, il y en a souvent en compétition? Ouais, mais surtout des jetés décalés. Non, c'est coupé décalé la chanson, non? Coupé décalé. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, toi? Oui, il y a des légendes de l'escalade qui m'ont beaucoup inspiré, comme Patrick Hellinger. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport. J'y consacre tout mon temps, c'est un mode de vie. Il y a notamment une femme qui s'appelle Jane Kim, et puis il y a Thibaut InShape. Ah! The Thibaut InShape, quoi! T'es trop fort, Thomas! Ouais, c'est un mec bien, ce mec, c'est vrai qu'il est. Il est un peu con, tu vois, des fois, mais il est pas méchant, Il a un bon point, Très bien, ça fait 2 bons points pour Mathilde, hop, je le note. Et on passe au point au-dessus. J'espère que tu vas me décevoir. Allez.
Ah non, gros. Attends, attends, regarde. Ah non, t'as pas le droit. J'ai rien fait. Je suis daltonien, je crois que c'était une bleue. Ok. Wow. Ouais, gros. Déçu ou pas? Oui. J'espérais, mais en fait. Est-ce que c'est un sport qui est risqué ou pas? Alors, l'escalade, ça peut être vu comme un sport risqué. Ouais. Parce que ça fait partie des sports dits extrêmes. Mais ceci dit, il y a des règles vraiment très strictes pour garder une sécurité qu'il faut appliquer. Et si tu les appliques, il n'y a pas de souci. Ok, prochain exercice. Bon, ça va plus te plaire. Il faut utiliser ses bras. Oui, je vais pas te décevoir. Non, il faut pas que tu me déçoives. Ouf. C'est Tita. Là je pense qu'il va te décevoir. Je suis pas sûr hein, mais... Ok, allez Thibaut. Ouais. Oh non. Ah, allez. Hey Thibaut. T'es en train de la décevoir la poulet. Je peux pas la décevoir, je peux pas la décevoir. Allez vas-y, encourage-moi. Oh, mets ton pied là-bas. Ils sont où tes biceps, Thibaut? Ils sont cachés. J'ai pas perdu des bras, les gens. J'ai pas perdu des bras. Montre l'état de tes mains. Ça commence à tirer un peu, mais ça va encore, non? Montre tes mains, toi. Moi, ça va. Ah, mais... commence... Alors, rien du tout. Oh, mais t'as du strap, c'est pour ça. Non, ça... Oh, aïe, elle a du strap. Et est-ce que l'escalade, c'est présent aux JO ou pas? Oui, ça vient tout juste d'être accepté pour les prochains JO. Tu vas y participer ou pas? Ah, ben j'espère. C'est mon objectif. Quand c'est en 2020? Tu seras vieille d'ici là, non? Ou 3 ans. Tu peux parler, ça. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire du toit. Et l'inclinaison la plus difficile que... Bravo. Oh le salaud, il y arrive en plus. Allez, allez, allez. Allez, viens gros, allez, vas-y, lâche pas là. Viens, poulet. Oh, bien. Chope la... en haut derrière, en haut là-bas. Oui, monsieur. Viens, poulet, allez, lâche pas. Allez, j'ai le cul trop gros. Oui. Allez, allez, pousse les jambes. Alléluia. Alors? Tu m'as impressionné, c'est bon. Oui. Et c'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir? Ce qu'on peut dire aux gens, hein, parce que... En escalade? Oui, ou autre chose, hein, si tu veux te faire pardonner, mais après voilà. Mon pire souvenir, ça doit être quand j'ai complètement raté une compétition qui était sélective pour toute la saison. J'ai énormément pleuré. Ah merde. Vraiment. Et du coup, ton meilleur souvenir? Et mon meilleur souvenir, du coup, c'était cette année quand j'ai remporté les championnats de France de difficulté. Mathilde Becerra au sommet de la voie des championnats de France. Je m'y attendais pas, c'était vraiment incroyable, j'étais super heureuse, super émue. C'était la consécration. Quoi. Alors Thibaut, ça a été? Trop fatigué. Alors je vais t'apprendre une technique de pied qui est super importante en escalade. C'est le crocheté talon. Honneur aux petites comme on dit. Là tu viens mettre en fait ton talon. Oh. Bravo. Yeah. Non. Non mais deux. Je me suis tiré l'ischio. Oui, allez gros. Ouais, bien gros. Là, voilà. Là tu mets ton talon devant. Bien gros. Allez gros. Oui. Oh dommage. Et là tu vas à la pose d'après. Oh, allez. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Tu étais là. Mais là j'étais pas. On va s'engueuler Mathilde. Ça va mal finir hein. C'est compliqué. Ah ouais? Ah ouais, donc parle-nous un peu de ta vie privée. Alors, pourquoi c'est compliqué ta vie privée? C'est compliqué parce que je suis très peu disponible en fait finalement. J'ai pas beaucoup de temps. T'es une petite occupée. Voilà. Ah. L'escalade prend quasiment tout mon temps et c'est vrai que c'est ma priorité. Moi c'est la muscu avant les petites et toi c'est l'escalade avant les petits. Exactement. Bravo. Comment je me tire? Allez, allez. Ça paraît facile et ça l'est pas forcément. Du coup, t'as des sponsors ou quoi? Oui, j'ai des sponsors. Une marque de chaussons italienne qui s'appelle Scarpa. Une marque de boissons, Scratch. Une barre aussi. Bon, alors ça, c'est notre machine de torture. Toi, tu vas à la muscu, nous, on a ça. Bah, la muscu, c'est pas une torture, c'est du plaisir. Oui, c'est du bonheur. Non, ça, c'est vraiment pour progresser dans la force des doigts. Oh, 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 oh. Donc, j'attrape les meules, c'est ça? Allez poulet, voilà. C'est peur ça gros. Fais une traction gros. C'est élégant ou pas? C'est réussi. Voilà.
Mais du coup, ce métier, en fait, est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui ou pas? Alors, on peut en vivre, ça reste compliqué parce qu'il y a encore assez peu de moyens dans l'escalade. Et toi, est-ce qu'il y a un sponsor que t'aimerais avoir? Red Bull, Adidas, Nike, toutes les grandes marques, en fait. Donc, très bien. Donc, les gens, s'il y en a qui travaillent chez Adidas, Red Bull ou Nike, voilà. Une petite à sponsoriser. Et là, faut avoir la force au doigt. Tu fais pas mal, hein? T'inquiète pas, je gère. Pas du tout. Allez, gros, allez, 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 allez. On lâche pas là, voilà. Voilà. Tu vois là? Oh, oui, oui, oui. On dit tous merci à Mathilde. Merci Mathilde. C'est pas de ma faute. Est-ce qu'il y a un hôpital pas loin? Et toi, qu'est-ce que ce sport il t'apporte en fait? Alors, l'escalade, ça m'apporte vraiment sur tous les plans, à tous les niveaux. Déjà, c'est énormément de plaisir. C'est ma passion, j'adore ça. Beaucoup de satisfaction personnelle aussi. Ça me permet de toujours repousser mes limites, d'aller toujours plus loin, de toujours te dépasser, d'apprendre beaucoup sur moi. Et puis, c'est vrai que sensation de liberté, et c'est un mode de vie complètement à part. Que du bonheur, vraiment, pour moi. J'adore. C'est génial. Ok, ouais. Voilà, allez. Faut les manger, il y a des protéines dedans. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Et je dis boum aussi. Ouais, boum, ouais. Tu fais comme ça. Et tu fais boum avec tes gros biceps. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Boum. Je suis vachement prête, attends. T'es ready ou pas? Je suis ready. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous. Non, j'étais pas prête. Ah. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Boum! Thomas. Salut Thibaut. Comment tu vas? Ouais, toi? La forme? Ouais, tranquille. Je t'en prie, présente-toi. Bah, je m'appelle Thomas, je vais avoir 26 ans dans quelques semaines. Bon anniversaire en avance. Merci. Donc ce que je te propose, c'est que tu commences par raconter ton histoire.